Oui, la précision, elle est simple. Nous sommes dans le temps des carèmes. Quand nous venions à Ziguinchor, c'est pour soulager les populations de Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est notre 9e jour. Chaque jour, on distribue des tonnes de sucre, de riz, de lait, d'huile aux Ziguinchorois, catholiques ou musulmans, pour les aider effectivement donc, à faire un bon carême. Nous avons arrêté à cause effectivement donc, de vendredi, la semaine sainte, parce que les catholiques devaient terminer. On a fait un focus sur les catholiques, pour leur permettre effectivement donc, d'avoir les nécessaires pour terminer le carême. On a repris aujourd'hui avec les communautés. On a trouvé un autre groupement de femmes, soi-disant effectivement, qui sont invitées par un des leurs qui est dans le quartier, leur disant que venez parrainer pour avoir le soir du lit. Pour nous, ça nous semble effectivement vraiment c'est dépassé. Parce que nous, on ne peut pas dépasser 700 millions. À soulager les populations, on nous parle de parrainage d'une personne, de deux femmes. On donne à chaque famille de Kandé, ça fait pas 100 millions. On est à 7 fois plus, on ne doit pas avoir un souci pour donner à ces bonnes femmes. Donc je pense qu'il y a une confusion de rôle. Les gens de Kandé ont été les premiers servis quand on est arrivé. On a distribué à toutes les familles riveraines. Les familles riveraines ont reçu. Les autres familles de l'intérieur, quand ils ont voulu nous voir, on a dit non, restez tranquille. Avant de partir, on va vous donner. Donc nous sommes dans ça. Aujourd'hui, on a fait avec les communautés Alpoulard, tout couleur. Mais quand les politiques se mêlent des choses, toujours, effectivement, c'est des dénonciations. Je pense que les bonnes femmes, certes, je ne vois pas à Ziguinchor qui se promène à donner du riz à des gens. Nous sommes tous de Ziguinchor. On connaît ce qui se passe à Ziguinchor. La vie est difficile. Si on a décidé d'aider les populations, parce que c'est difficile, il n'y a aucun Ziguinchor aujourd'hui, bontain, qui se promène à Ziguinchor, qui donne du riz et du sucre aux populations. Il n'y en a pas. Et pourtant, ils savent que les gens sont fatigués. Si Doudouka prend sa responsabilité, prend ses moyens pour accompagner les populations, je pense bien que véritablement, on peut tout lui reprocher, sauf dire effectivement, allier la chose là au parrainage. Ça n'a rien à voir. Je regrette. Ce n'est pas au nom de Doudouka qui les envoie. Ce n'est pas Doudouka qui les envoie. Fodé est un habitant du quartier. Il nous a loué le magasin, certes. Donc, c'est toute la relation qu'on a avec lui. Il veut aider maintenant dans le travail, par exemple, ça c'est son problème. Mais ça n'a rien à voir avec l'opération Tabaski de Ramadan qu'on est en train de faire. Ça n'a rien à voir, c'est pas lié. C'est pas du tout lié. Tous les soirs, il y a plus de 100 femmes qui viennent ici, on leur donne gracieusement. Pourquoi aujourd'hui? Si elles n'ont pas reçu aujourd'hui, c'est parce qu'exactement, elles ont voulu échanger le don.